Avant que la vidéo d'aujourd'hui commence, va cliquer sur la petite cloche des notifications pour louper aucune de mes prochaines vidéos. Si mon contenu te plaît, lâche un pouce bleu. Si ce bon visionnage va faire max. Et salut à tous et à tous, c'est Kaizel. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi, ça se perd. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, qui est une vidéo à la suite du présentation du bunker avec le gros camion, avec je crois que c'est le centre de trucs mobiles, je sais pas quoi. Du coup on va tout de suite l'acheter, on va se retrouver sur le téléphone. Hop là, on va aller dans Warstock. Hop là, centre d'opération mobile, 1 225 000, sans modification, d'accord. Du coup, tracteur routier, Phantom Custom. Ah ouais, d'accord. Il y en a qui en vaut plus que l'autre, ouais. Normal. Bon, on va prendre celui-là. Ensuite, ça c'est l'avant. En fait, on a 3, 4 parties. D'accord. Chaise confortable, garde-robe, épouvantail. Commandement. Moi, je trouve ça les plus chill. Ensuite, module 2, module vide. Appartement. Atelier d'armes. C'est un module double. Si vous le sélectionnez, le module. Allez. Couleur intérieure. Ça, on verra après. Non, moi je m'en fous d'appartement. Couleur intérieure. Je me suis là. Bon, du coup, on en a acheté un pour 2 790 000. Je pense qu'après tout le monde va l'acheter comme ça, on va dire. Du coup, hop, résumé. Acheter. Transaction en cours. Voilà. On renvoie en arrière. Hop là. Est-ce qu'il est reçu? Ouais, c'est bon, il est reçu. Parce que des moments, vous savez, il y a peut-être de petits. Waouh, énorme. Il est. Oh, la remorque, elle est juste, mais waouh. Elle est juste énorme. Je vais voir si on va sur le petit point là. Je pense qu'on rentre dedans, je suis pas sûr. Peut-être avoir une cinématique, comme le bunker, pour découvrir l'intérieur, je sais pas. Accès ordinateur tactile pour les opérations de l'agent 14 disponible. D'accord. Je vais trop prendre la personne. L'atelier d'armes pour acheter et transformer certaines armes en valeur variante MK2. D'accord. On a des gilets pare-balles ou des vestes. Des armes. C'est pour sortir, on a le mec. Alors là, je suppose que. Ah ouais, d'accord, ça souffle carrément. Inscrivez-vous en tant que gros bonnet, PDG ou président du club de moteur pour opération mobile. Ah ouais, c'est chill. Franchement, c'est bien. Du cil. Pour changer de vêtements. Ok. Non, un peu pas. Ouais, là, je crois qu'on peut mettre des véhicules, non, je sais pas. Franchement, c'est de la remorque, là, pour voir. Admettons, si je veux sortir pour conduire. Je sais pas si on peut. On va essayer. Oh, c'est une cinématique. Ah non, il n'y a pas de cinématique comme ça, c'est dommage. Ah ouais, mais on est grave loin. Porte si je dois la faire. J'essaie de faire entrer mon véhicule pour voir. Impossible d'entrer dans ce même véhicule. Ah, c'est-à-dire que peut-être que je rentre à l'intérieur, quoi.
Parcelle. Il y a une nation aussi qu'on rentre avec les véhicules. Franchement, c'est super stylé. Franchement, c'est super stylé. Ils ont fait un beau truc, Rockstar. Franchement, bravo. Ouais. On va voir si. On va voir si je peux le modifier. Ah, mais regardez, je suis à fond, mais bon, on peut pas rouler au plus vite. Il n'est pas disponible ce qui ici, le son. Ah, faut rentrer. Regardez, là, je suis limité à un type de vitesse, quoi. On va laisser mon véhicule là. On va aller prendre le centre anti-aérien. On va le rentrer, on va essayer de rentrer un véhicule pour voir comment ça fait dedans. Bon, je pense que vu le nombre de places qu'on avait vu, on peut faire qu'il n'y avait qu'une seule place, on va dire. Qu'il n'y avait qu'une seule place. Qu'il y avait une seule place pour un seul véhicule. Parce que c'est quand même grand, hein, mais faut pas abuser, je pense. À part si ça vous saute sur les côtés, mais je pense pas quand même. Ah, mais il est énorme le truc, franchement. Fou. Je pense que c'est un très beau truc. C'est qu'il avec le pare-buffle qui fait un peu aplati, avec les barreaux et tout. En fait, tu me parais pas très très maniable, on va dire. Donc, oh, c'est un camion, on va dire. Ah, là, il y a une autre cinématique pour le camion. Ah, ouais, franchement, pouah. Ça en vaut la, franchement, ça en vaut la peine. Hein. Si vous avez la thune, franchement, moi, je vous conseille quand même de l'acheter parce que, franchement, pouah. Franchement, très belle cinématique, très beau DLC pour l'instant. Bon, les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je pense que la prochaine vidéo sera une vidéo sur GTA 5 RP. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si les vidéos sur GTA 5 RP s'il vous plaît. Sur ce, les gars, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.